Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Arrêté le 8 novembre 2023, le colonel Célestin Bilivogui, en service aux pensions militaires, est jusqu'ici sans nouvelles. C'est l'inquiétude au sein de sa famille et de ses proches. Dans un entretien qu'il a accordé à Réveil d'Afrique, son avocat tire la sonnette d'alarme à ses ravisseurs. À le présenter devant un procureur. Jusque-là, nous n'avons aucune nouvelle de Célestin Bilivogui. L'inquiétude a pris le dessus. Nous n'avons aucune information depuis qu'il a été interpellé en novembre 2023. Nous avons saisi le parquet, pratiquement les autorités judiciaires, aussi plus haut niveau de ce pays. Mais à date, aucune piste, aucun indice dont sa famille. Ses avocats et ses proches, nous craignons pour sa vie. À la limite, s'il a commis une infraction, même si la procédure n'est pas respectée, c'est de le présenter devant un procureur, a-t-il lancé dans cet entretien qu'il a accordé à le rédacteur en chef de Réveil d'Afrique. On comprend donc que la situation en République de Guinée est de plus en plus critique et beaucoup de militaires sont portés disparus depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne. Partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.